got you with it. Got you with it. Honey, 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 I'm really tryna feel it. Guess who's back? Bienvenue sur la chaîne. Aux nouveaux et aux anciens. Bienvenue sur la chaîne. Ouais, la chaîne. Aux nouveaux et aux anciens. Ok. On n'est pas chanteur, hein. Parce que vraiment. Non, franchement, je pense qu'on a un petit peu de talent. Ouais, un petit peu. Franchement, dites-nous en commentaire. Mm-hmm. Moi, je pense que j'ai une petite branche. Beyoncé shit. So. Donc. Bah, on se retrouve. Pour un nouveau groupe. Un tout nouveau groupe, tout frais. Tout frais, mmh, tout caliente. And shit. Vous savez. Let's be crazy love. Wesh. Donc, c'est de la YG. Donc, tu disais, nouveau groupe de la YG. Yeah, yeah. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez suivi le Survival Show. Il y avait 10 épisodes, je crois. C'était intense. Et voilà. Donc, c'était très intense. Ils ont souffert. Ils ont vraiment souffert. Les pauvres. Ah oui, vraiment souffert. Un des membres, il s'appelle Lidam. Oui. Lui, il a fait, je crois, 6 années de training. Il a souffert, le groupe a souffert. 6 années. Putain. Franchement, c'est dur. T'as dit, il a pleuré. Quand tu m'as dit, allez, c'est bon, tu commences. Ouais, tu pleures. Genre, mais vraiment, genre, il a dû pleurer, même genre off caméra. Il a dû pleurer. Ouais, ouais, donc, il est rentré chez lui. Pleurer. Il a pris sa famille. C'est des groupes. Pleurer. C'est pas juste super mode. Tu vois, je pleure. Toutes les années, il a pleuré là. Pendant le training. Non, 6 années de training. On est où là? On est où? Non, eux, ils aiment trop fatiguer. C'est-à-dire, il y a plein de monde qui a débuté devant lui comme ça. Ouais. Et lui était là. C'est vrai, parce qu'il y en a à l'arrière des années de training, c'est genre 1 an, 2 ans et tout. Mais lui, 6 ans, c'est énorme. 6 années, wesh. C'est énorme. C'est grave l'ancien mode. Il connaît tous les lieux de YG, wesh. Bah oui. Sam Benin, mais là. Sam Benin, mais il a jamais. Il a pas débuté. Mais c'est le Sam du monde des training. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc. Boy, le boy, c'est boy. Avec le boy Aruto. Aruto, c'était mon préféré. Ah oui, c'est mon petit. Oui. Ouais. C'est un petit. Donc, c'est un mineur encore. Ben non, là, oui, c'est que des petits là. Voilà, c'est des petits. Donc, les gens, on se calme. Voilà. Après, il y a des 2004 dans les petits. Oui, oui, c'est sûr. Mais elles, elles peuvent. Oui, vois. Mais. Si tu es né dans les 90, tu fais pas ça. Voilà. 90 and co. Voilà. Donc, Treasure Boy. On n'a plus pour le chat, pour le fou là. Ça va. Hey. Ouh, du feu. Je borde. Un peu, genre archi coloré et tout. Ouais.
I'm so addicted to D-E-U-M-E-S. Ah bon. I don't know comment on dit ça. But bon. Si vraiment il y a des fans du groupe et qui les suivent vraiment depuis le début du show, tout. Enfin, vous devez tellement être fiers, genre. Ouais, de, vraiment. T'es tout de suite. Tu dis, t'as misé sur un membre et puis le boog, il est dedans. Ouais. Il y a une de mes potes qui les suit depuis le début. Ça va être. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Elle était bien contente. Ouais, elle était bien contente. De ouf. Enfin, elle était grave contente. Elle est si passée par là. Ouais, si tu passes par là. Petite dédicace. Les fans de YG et tout, du coup, ouais, elle était grave contente. Ah ouais. Et franchement, même les personnes qui sont pas fans de ce groupe ou qui ne connaissent pas encore, vraiment donnez-leur la force parce qu'ils méritent de ouf. Vraiment, ils ont travaillé de ouf. Ouais, ils ont vraiment souffert. Là, le MV, franchement, moi, je trouve que c'est un. Genre, il y avait des très beaux visuels et tout. Ouais, ouais. Niveau vocaux, aussi, on a des petites perles. Hein. Mm-hmm. Ouais. Je connais pas encore tous les noms. D'ailleurs, ils sont combien? Ils sont beaucoup. Ils sont 12. Ouais, 12. Ouais, 12 en fait. Ouais. Un truc comme ça. Enfin, ils ont dépassé les 10. Ouais, ils ont dépassé les 10. Ils ont dépassé les 10. Moi, déjà, vous dépassez les 5, je suis en mode fou. Alors là. Je pense à tout le monde. Ouais, donc, je suis en transpiration là. Ouais, genre, enfin, j'ai oublié les noms et tout, mais enfin, ceux que je retiens souvent, ben, c'est Aruto. Ouais, Aruto, lui, dès le premier épisode, je savais que lui là, la performance là, en duo, genre, c'était quand? Même il était en costard, un truc comme ça. Oui, j'ai vu moi. J'ai en costard blanc. Yeah. Oh oh yeah. Wow. 사랑 버리네 말 한마디면 넘어가. 귀신의 홀린 듯 널 보면 내가 지지만 네 미치 워워워 my world. 내 맘에 거린 대답은 항상 oh yes sir. Live là. Mais comment j'étais trop fière de lui, je sais pas pourquoi. Je cherche même mais mon boob. Son rap. Genre vraiment énervé. Donc il a un talent. Il a la voix, c'est naturel en fait. Ouais, c'est super fort.
Après, on parle que de lui, mais il y a les autres. Mais on, les autres aussi, on a c'est plus... des très très bons. Enfin, toutes les personnes ouais, qui sont dans ce groupe, ils ont vraiment gagné leur place. Quoi. Voilà, c'est ça, clairement. Les talents, frère. Et du labeur. Voilà, ça m'énerve, je vous dis les noms. C'est ça qui m'énerve. Ouais, ouais, ça après, c'est pas un souci. Parce que, enfin, du coup, on a regardé le show, bah oui, tout, mais enfin, après, il y a tellement de. Ouais, ça remonte. Ouais, ça remonte. C'est loin, les gars. C'est un peu loin, et puis bon, ils sont beaucoup. Voilà. Bah, en tout cas, ouais, genre, c'est un groupe à garder, à regarder, genre à. Enfin, faut penser à les suivre et tout et tout. Genre, ils viennent de commencer et tout. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de comeback et tout à la rentrée. Mais c'est un groupe à pas oublier en fait. Clairement. Faut les garder dans un petit coin et les suivre. Ah oui. Parce que je pense qu'ils vont monter. Ouais, ils vont monter, hein, c'est sûr. Franchement, la chanson, elle leur va bien. Parce que ça reste dans. En gros, dans les sonorités pour leur âge et tout. Ça fait pas trop. Et ça fait vraiment chanson boys band. Oui. Ça qui est bien. Non, moi ce que je trouve bien c'est qu'ils n'aient pas fait un son parce que enfin je sais pas pourquoi enfin après je pense enfin c'est mon avis tu vois quand il y a un groupe qui débute et tout enfin leur premier son c'est arbitrage c'est gnangnang. Non, ah, non. Si. Non, ça dépend mais j'ai l'impression qu'il y a en tout cas la majorité des groupes genre c'est archi gnangnang genre. Alors, tu trouves ouais. Leur non, début, je trouve que leur début justement ça va fort. Ouais. Tu vois, pour ils vont fort et après, enfin en général, enfin moi de ce que j'ai non, vu, je pense... les débuts, genre c'est hyper des débuts hard concept, genre dark concept et tout. Genre en mode aussi moi, vraiment ils veulent ça après, tu vois. Ouais. Sérieux? Ouais. Après c'est vraiment genre, au niveau des boys band, genre vraiment ceux qui ils veulent se présenter en mode. Enfin surtout ceux qui veulent faire carré genre hip-hop. Voilà, ils viennent avec un concept carré genre dark et tout et shit. Et après, bon, tu vois qu'au fil du temps, le dark il devient un peu plus light. Voilà. Moi je trouve que c'est l'inverse. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'ils commencent tous par un concept. Le concept tout quoi. Il est pas ouf quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Maybe, peut-être, ouais. Après là, du coup, bah, ça cale bien. En fait, c'est calé avec leur âge et puis. Enfin voilà, c'est en mode de, ben, je vais être juste je vais être ton petit copain, je vais te faire le concept il est cute et tout, mais le son il est pas cute. Tu vois comment vous expliquez ça? Mais il est comme. C'est quand même un peu. Il y a une touche de cute quand même. Oui, moi, voilà. Trouve, une petite touche. Dans les paroles, genre, mais dans le. Not too much. Dans l'attitude et le visuel, c'est. Ouais, c'est vrai, ça fait pas. Sérieux? Ouais, moi je trouve cute dans le visuel. Hein. Ouais, ils sont pas en mode nous montrer leurs abdos, c'est pas des. Non, oui, quand on dit cute, c'est quand c'est genre vraiment des. Là, bah, par exemple, la chorégraphie, c'est pas en mode des trucs. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, ils montrent de l'attitude, mais ça reste dans leur âge. Ok, ouais, tu vois. Ouais. En gros, c'est pas. C'est pas quoi? Je vais pas dire, c'est pas 4 toi là, tu veux pas lâcher ça? Dites-nous ce que vous pensez de ce groupe-là et de leur concept aussi. Parce que voilà, enfin, moi j'aime bien. Enfin, après, je trouve pas qu'il y a un concept très. Ouais, c'est pas comme très profond. Il y a pas de concept. Ouais. Mais dites-nous ce que vous avez pensé du clip. Enfin, moi je trouve. Niveau visuel, je trouve que c'est pas mal pour un début. Hein. Vraiment. C'est super coloré et tout. Comme tu disais, ça faisait rappeler Baby Bang. Mm. Comme je disais il y a 2 secondes, hein, dites-nous ce que vous avez pensé du MV. On aime bien lire vos commentaires, comme d'habitude. La team notification, on vous voit. Vous êtes toujours là. Vous likez même avant de regarder la vidéo. Ça, c'est vraiment vous là. Cœur sur vous. Cœur sur vous. Oh là là. Vraiment. C'est trop mignon. Vous êtes dans le cœur. C'est ouf! En tout cas, j'espère que vous aimez en tout cas, parce que bon, c'est pas que tu likes et puis tu aimes la vidéo. Et après, elle a de ouf! C'est nul, wesh! Non, je déconne. Bref, en tout cas, dis-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, nous, on a aimé. Un groupe à suivre. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de partager, de liker, d'activer la cloche. A ding dong! Dites-nous sur les réseaux. On se rend dans la faute. Voilà. Et sur ce, on se retrouve dans la tennis.